tous les événements sont concernés par la lutte contre le changement climatique, puisque il y a des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport, puisqu'il y a du matériel qui est transporté, il y a aussi des personnes qui sont transportées, et puis notamment aussi sur la consommation d'énergie fossile, puisqu'on consomme de l'énergie fossile quand on organise un événement, bien souvent. Par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre qu'émet un événement, le transport des personnes peut représenter 90% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un volet assez important. Donc si on veut lutter contre le changement climatique, il faut s'attaquer à cette problématique du transport, notamment. Les solutions existent, elles sont assez nombreuses. On peut tout d'abord proposer d'autres types de transports, des transports doux qui émettent peu de gaz à effet de serre, comme le covoiturage, les transports collectifs, le train, le bus, des navettes. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on peut mettre en place. Bah, tu vas au guichet, tu as 50% avec ton billet. C'est pratique, c'est bien, ça encourage à utiliser les transports en commun. Ça marche. Il y a quelques trains, les trains sont remplis, les wagons sont rajoutés sur cette ligne du Médoc. En plus, il y a une vraie ambiance du coup dans le train. C'est super festif. On a organisé des navettes au départ de Bordeaux, de Pauillac, en direction de Saint-Estèphe et Saint-Germain-d'Esteuil. Ce qui permet d'acheminer un peu plus de 1000 coureurs pour la journée, pour le retrait des dossards. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les coureurs venaient individuellement récupérer leurs dossards à Pauillac. Voilà, on peut également choisir des prestataires ou des fournisseurs locaux, où le matériel qu'on fait venir va parcourir une distance un peu moins importante. Dans le cahier des charges en fait, du festival, la question de proximité est évidente. En fait. Donc, dans un premier temps, on cherche des prestataires locaux. C'est-à-dire que si on ne les trouve pas, bien sûr, on élargit le cercle, mais en priorité, on essaie de travailler localement. Ou encore, on peut essayer d'utiliser du matériel plus économe en énergie. Des groupes électrogènes récents et qui vont consommer moins de carburant. Des éclairages qui vont utiliser moins d'électricité, donc vont être moins gourmands en consommation d'énergie derrière. Bon, le son, il n'y a pas de secret. On a réduit de 50% les consommations, on ne pourra pas aller plus. La lumière, bientôt, on aura tout à la LED. On a gagné 30% là, on va encore gagner 30%. Quand un événement s'engage dans une démarche responsable, l'idée c'est de progresser, de s'améliorer. Donc sur toutes les actions menées, il faut réaliser son bilan et essayer d'évaluer ses actions pour voir dans quelle mesure on peut progresser. Là, sur le volet transport, on va par exemple étudier la fréquentation des transports collectifs qu'on a mis en place, des navettes ou la fréquentation du train. Voilà, regardez la proportion du public, par exemple, qui a utilisé ces transports collectifs. On peut aussi calculer, regarder ses consommations de carburant fossile, d'énergie fossile, pour savoir combien on consomme, quels sont les postes qui consomment le plus, et puis du coup essayer de voir comment on peut réduire ces consommations-là. On peut réaliser aussi son bilan de gaz à effet de serre, son bilan carbone, qui nous permet de savoir quel poste consomme et à quelle hauteur. Donc les outils pour aider les utilisateurs, ils sont assez nombreux. Il y a des tableurs de calcul, comme le tableur créé par la région Poitou-Charentes. Il y a l'outil bilan carbone créé par l'ADEME. Il y a également l'outil ADER, qui est un outil d'autodiagnostic environnemental qui est en ligne, qu'un organisateur peut utiliser assez simplement pour savoir où il en est. Et puis des outils un peu plus génériques, comme le guide des manifestations responsables en Gironde ou d'autres documents qui apportent des solutions aux organisateurs.